Bonjour à tous, on est à l'Emirates Stadium, stade vraiment magnifique. Pierre Ménès est à mes côtés, magnifique également. Le stade est plein, Pierre aussi. À l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre Arsenal face à West Ham. On va voir ce que les Gunners peuvent proposer dans ce match. Je sais que vous êtes nombreux à suivre la préparation de ce club. Si, si, ne me lancez pas, mais il faut dire que les ambitions sont là. Hein. Est-ce qu'il entend jouer le titre ? Mesut Özil, grand meneur de jeu. Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, il a un talent invraisemblable. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau parfois ? Voici donc la composition d'Arsenal. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de West Ham. Alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui. Il va faire jouer son équipe en 5-2-3, un schéma très défensif. L'Emirates Stadium qui accueille des matchs d'équipe nationale, mais pas de la sélection anglaise. Ouais, c'est assez bizarre Hervé, mais c'est plutôt le Brésil qui vient y jouer des matchs amicaux lors de ses tournées européennes. L'équipe d'Angleterre, elle, elle joue à Wembley, bien sûr. Elle n'a jamais joué à l'Emirates. Ah, ça ne passe pas. André Ayou. Winston Reid. Bayram. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Coquelin. Ouais, la frappe. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Sanchez. André Ayou. Attention, il a du champ devant lui. McNoble. Ouais, c'est bien donné, ça. Mesut Özil. Coquelin. Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Ils reprennent possession du ballon. Winston Reid. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Bayram. André Ayou. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils construisent, ils font tourner. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Mesut Özil. La frappe d'Özil. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Le ballon change de camp. Danny Welbeck. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Corner pour les Gunners. C'est dégagé. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment. Pourtant, la frappe. Un duel pour la récupération du ballon. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là.
Ah non, ça n'ira pas plus loin. Chaka. Coquelin. Les Gunners à l'attaque. Ils font tourner. Ils construisent patiemment avec un tir. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Et corner, peut-être pour prendre l'avantage. Chaka. Et la voilà la frappe. Et l'attaque va s'arrêter là. Et bien l'intervention, changement de possession. On s'approche du but. Ozil qui prend sa chance. Ballon capté par le gardien. Mesut Ozil. Ouais, ça joue bien collectivement, ça circule bien. McNoble. Bayram. Ouais, coup franc évident, l'arbitre l'a bien vu. Attention, ça peut être dangereux. Carroll. Ouais, c'est pour le gardien. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Attention à la frappe. Oh, il peut s'en vouloir hein, d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Ouais, c'est bien cette talonnade. André Ayou. Il tacle. Chaka. On va rejouer à nouveau avec Ozil. Allez, peut-être une bonne occasion. Allez, une touche intéressante pour les Gunners. Mesut Ozil. Il trouve son coéquipier. Théo Walcott. Attention à ce corner. Il y a du monde dans la surface. Le gardien a sorti au point. Les Gunners qui... Il a bondi, il a jailli très vite, hein, le gardien. Elle est trop vite pour l'attaquant. Et les joueurs sont de retour pour cette seconde période. Allez, l'arbitre qui relance le match. André Ayou. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Danny Welbeck. Ça part bien, action dangereuse. Et il vient buter sur la défense. Lanzini. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Danny Welbeck. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ozil. Ballon bien négocié par le gardien. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Chaka. Walcott. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. La frappe. C'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. McNoble. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Centré pour Andy Carroll. Carroll, le gardien qui se détend parfaitement bien.
Encore un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Sanchez. Dani Welbeck. Ils avaient vraiment l'occasion de prendre l'avantage au score. Matt Noble. Bayram. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Bonne anticipation sur cette interception. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Bayram. La remise directe, c'est bien vu. Ouais, touche. Très bonne intervention défensive. Ça traîne pas hein, sur cette touche. Et les joueurs veulent aller vite. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. Bah, souvent, la clé du match est là. Hein. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Mesut Ozil. Peut-être une bonne opportunité, attention. La frappe d'Ozil. Bayram. Squadron Mustafi. Alexis Sanchez. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. La bonne interception. Carole. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et il centre. Et le centre bien négocié par le gardien. Carole. Les Gunners qui vont devoir vraiment trouver de vraies ressources mentales pour renverser ce match, et ça paraît compliqué. Carole. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Très bonne lecture du jeu sur cette interception. En profondeur, attention. Mark Noble. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Mesut Ozil. Chaka. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Et... le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Peut-être un bon ballon à jouer pour Arsenal. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Il est dépossédé du ballon. Lanzini. Ouais, le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Walcott. Feghouli. Nacho Monreal. Ah,
Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Attention, le centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Coquelin. La défense qui récupère. McNoble. Ouais, une, deux. Mesut Özil. Les Gunners à l'attaque. Granit Xhaka. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut se dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Oh, cette passe le bec est un petit peu courte. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Seconde période de la prolongation, la plus dure bien sûr sur le plan physique. Et sur le plan mental aussi, hein. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Allez, qui va reprendre ce ballon. Masuaku. Andy Carroll. Ah, dommage, ça va être un peu trop court cette passe. C'était bien vu. Choisit la frappe. Il repousse le tir. Huit minutes, hein, c'est le temps qu'il reste à jouer dans cette rencontre. Masuaku. Joli travail de protection. Ouais, c'est la frappe. Et frappe contrée par le défenseur. Walcott. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer hein, dans ces prolongations. Lanzini. Il lui rend première intention. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Andy Carroll. Il prend sa chance. Et le ballon bloqué par le gardien. Alors carton ou pas carton? Qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Oui, c'est le rouge. Il est violent et en plus il est bête. C'est beaucoup pour le même joueur. Attention, il a du champ devant lui. Il y a l'entraîneur qui demande à ses joueurs de défendre, d'être acharné en défense. La terrible séance de tir au but qui va bientôt commencer. Oh, la belle frappe en pleine lucarne. C'est parfaitement tiré ça. Je ne sens pas trop ce garçon là. Et c'est dedans, bien frappé. Un ardieur, mais... Et ça rentre, parfaitement tiré. Penalty transformé avec succès. Ouais, un péno bien tiré, il s'est appliqué, ça passe tranquille. Il m'a l'air un petit peu hésitant. Ouais, le gardien qui repousse le ballon. Oui, il remporte son duel, magnifique. Et il dévie le ballon sur le poteau. Et bien tiré ce penalty, c'est fait. Impeccable, plein de sang-froid. Le joueur qui temporise pendant sa course d'élan et qui ajuste le gardien. Oui, remarquable. Ça a sûrement dû perturber le gardien dans son choix. Ouais, non, ça ne rentre pas. Quel exploit du gardien, là. C'est évidemment la balle de match. Attention. Grosse pression, très grosse pression. Et ça y est, c'est fini. C'est fini, il s'impose sur ce tir au but. C'est bien joué de la part du tireur. C'est la délivrance pour lui et toute l'équipe. Bravo. Le réalisateur qui nous remontre ce but.